Coucou les beaux lotus, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un jeu d'affirmation, donc des cartes d'affirmation positives bien sûr, c'est le Water Blessings Affirmation Card d'Akal Pritam. Et ici on est avec l'eau parce qu'en fait il y a les quatre éléments. Moi j'ai juste pris l'eau, alors il est tout petit hein, et c'est une toute petite boîte. On peut la tenir dans la main, c'est tout mimi. Et en fait, si vous voulez, ça forme un puzzle. Donc vous pouvez vous amuser à former le puzzle. Voilà, c'est super sympa. Super chouette, super beau. C'est très coloré. Voilà, comment utiliser? Ben, et là, ils disent de compléter le puzzle intuitivement. Et puis après, si vous voulez, voilà, vous prenez une des cartes. Vous êtes guidé, vous laissez guider, ou alors vous faites. C'est de. Je l'ai dit, c'est de Rockpool Publishing. Voilà, c'est de Rockpool Publishing. Ou alors, voilà, vous laissez vraiment. Mais elles sont vraiment petites. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que c'est dur à montrer. Elles sont dans le creux de ma main. Voilà. Vous voyez? Et derrière, il y a. Mais j'ai pas encore capté le truc, en fait. Parce que derrière, il y a des petites descriptions. En fait, je vais vous montrer. Donc, ça se passe barre cacahuète ici. On a des mots comme par exemple ici, effacer, faire une pause. Et puis, on a une phrase dans le calme. Deviens un avec les réflexions lumineuses. Vois-toi, regarde-toi aimer. Donc ça, c'est ce qu'il est marqué ici. Mais je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux mots, parce que c'est pas spécialement dit. Donc bon, voilà, par exemple ici vous avez let go. Bon voilà, let go. Là on a la souveraineté et la pureté. Après, généralement, c'est des mots qui vont un peu ensemble, qui sont beaux. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être aussi composer un peu sa propre phrase aussi. Ça peut être intéressant. Donc ben, regardons les illustrations. Moi, je vous montre les illustrations qui font partie du coup du puzzle. Ah, j'adore évidemment. Il y a une tortue, ça me fait super plaisir. Ah oui. Je vais quand même faire comme ça. Des fois, vous avez une partie du coup d'une plante. Vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Après, ici, c'est quand même très très bleu, hein. Mais si vous aimez tout ce qui est colothérapie, chromathérapie, pardon, ça devient génial. Là, vous pouvez prendre du bleu et du jaune et voir un petit peu ce que ça donne et un petit peu de vert comme ça ici. Et vous regardez un petit peu ce que vous obtenez comme couleur. Ça peut être sympa aussi. Puis là, vous tombez sur l'étoile de mer. Pourquoi pas aller voir dans un bouquin qui parle des animaux, voir l'étoile de mer. Voilà. Coquillage, pareil. Libellule. Sinon, vous vous laissez guider par ce qu'il est mis derrière les cartes, hein, bien sûr. Voilà, vous avez le dauphin. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin que ce qu'on vous montre dans les cartes. Moi, c'est ce que j'aime bien faire en tout cas. C'est vraiment quelque chose, une recherche un peu plus personnelle. Donc là, c'est la libellule, par contre. Désolé, c'est marqué, il est marqué rêve derrière. Mais n'hésitez pas à compléter et voyez un petit peu ce que vous avez. Mais c'est très beau, c'est très fluide vu qu'on est avec l'émotion, on est avec les émotions, avec l'eau. Voilà, ici on a donc l'huître. Voilà, là on a l'air d'avoir une mouette. Perroquet, donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'animaux auxquels vous pouvez vous repérer. Vous pouvez aller chercher des infos, hein, voilà, plus d'informations.
Après moi, j'ai une façon de faire, deux façons de faire, donc avec la chromothérapie et avec les animaux et rechercher un peu plus loin, mais vous faites comme vous voulez, évidemment. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux sur ce petit puzzle, on dirait pas comme ça, mais... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce jeu, si vous aimez les idées que je vous ai données aussi. Voilà, et si vous avez d'autres idées, ben, évidemment, dites-le moi. Évidemment, pour compléter un tirage, c'est toujours sympa, bien sûr. Mais c'est sympa. Voilà, moi je trouve que c'est un bon jeu aussi de plus de développement personnel, je dirais, spirituel, qu'un divinatoire. Voilà. Mais ça reste personnel, bien évidemment. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.